Allez, salut tout le monde, donc on se retrouve pour un gameplay sur un jeu d'horreur avec l'Oculus Rift, donc qui s'appelle Mary, sûrement, Quand les lumières meurent, et c'est un jeu français, donc ça c'est vachement bien, c'est la première fois que je joue un jeu d'horreur en français. Je vais m'installer parce qu'il faut que je mette l'Oculus Rift et le casque, et puis je vais transférer, enfin partir sans le son du casque. Donc à tout de suite, et puis on se retrouve juste après. Bon, allez, on se retrouve pour le gameplay. Donc je sais pas du tout la tête que j'ai. Parce que comme j'ai le casque et l'Oculus Rift. Donc on va juste voir le casque. Parce que comme j'ai pas bien les oreilles dessus. Pousser un peu. Hop. Essayer de voir pour passer le truc en dessous, etc. Je pense qu'au niveau du son ça devrait aller. Au niveau du son du micro, il était un peu fort, j'ai baissé, ça devrait le faire, on devrait bien entendre. Et puis c'est parti. Donc je joue manette parce que c'est C'est beaucoup bon, plus ton casque est pratique avec branché. l'Oculus Rift. Bon, l'expérience est sur le point de commencer. On est en train d'établir votre profil, ça ne sera pas long. Ce serait pas là où... Non, je vais Tout est laisser stable, parler. je lance la génération de l'univers. Ok, vous allez bientôt commencer votre aventure. Vous allez être immergé dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter. Oh, On faux, va faux, faux. tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Il est directement lié à votre activité cérébrale. Ok, d'accord. Attends, viens voir, on a un retour étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, le générateur est hors limite. Bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. J'ai essayé de relancer le processus, mais c'est trop long. Il est déjà bouclé. Niveau du son, ça devrait le faire. Putain. Qu'est-ce qui est flippant? Ouais. Par contre, manette, ça risque d'être chaud. Mais comment on peut faire alors? Il court par défaut. Parce que j'ai pas les touches, j'ai que dalle. Je regarde juste ça. Ça enregistre bien. J'ai beaucoup. Il n'y a pas de... Par contre, alors, la manette, ça galère. Alors, je vais essayer de passer souris un petit coup. Sensibilité est un peu forte. On va essayer de voir ce que ça donne. Couteau avec du sang. Alors là... On va jouer au clavier. Finalement. Aïe. On va jouer au clavier. On va juste... Ah. Il y a juste la sensibilité qui est un peu forte en fait. Ah! Alors j'ai déjà vu des vidéos de ce jeu, mais sans l'Oculus Rift. J'ai vu avec l'Oculus Rift avec PewDiePie. Et je... On est Oh en putain! Il faut que vous reveniez rapidement à votre point de départ. Oh putain! Maintenant qu'on est Oh sorti sur la putain! chaîne de transfert. J'ai trop pas envie d'y jouer! Oh putain! Poutine, mais je veux! J'ai trop pas envie de jouer! Oh putain! Ok, essayez de rejoindre l'autre pièce de transfert. Vous récupérez le but que vous êtes assis. Avec l'Oculus Rift, ça va être horrible! Putain. Oh putain. Oh putain, je suis en train de pleurer sous mon casque, hein. Allez, on va finir ce jeu, hein. On va finir ce jeu. On va aller par là. On va finir ce jeu. Il n'y a pas moyen d'ouvrir les portes? Non, je peux pas ouvrir les portes. Par contre, je sais pas du tout le but. Je connais pas du tout le but du jeu. J'en ai au point de départ. Il y a quelque chose de bizarre dans son rêve. Oui, il y a quelque chose de bizarre dans mon rêve. Oui, il y a un petit garçon qui me... On va avancer.
Ok, avec l'Oculus Rift, c'est beaucoup plus oppressant. Je tiens à vous le dire. Alors, je sais pas si c'est des événements aléatoires ou si c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas si c'est comme paranormal ou si c'est des événements aléatoires, en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Denise. Trop vieille. Hein? Âge 21 ans, trop vieille. Pour faire l'enfant? Mange lumière. Mange lumière. Oui. Bon, ah, ouais. D'accord, il y a une chaise. Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, excuse-moi, mais... Poussez-vous les chaises, là. Oh. Ah, je suis bloqué? Pourquoi je peux pas... Putain. Pourquoi je peux pas sortir, en fait? Il y a des murs invisibles qui me bloquent. Poussez-vous les chaises! Pourquoi je peux pas passer? Oh, tu me fais peur, monsieur. Hop. J'imagine qu'il faut que j'aille par là, mais bon, il n'y a pas moyen de sauter. Il y a des chaises qui me font chier là. Bon, on va repartir. Oh, c'est ch... Je sais pas du tout si c'est des événements aléatoires. S'il y a un truc à faire, un objectif, ou un garçon qui me fait peur, et qui me fonce dessus. Pourquoi? Oh putain. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui me faisait... Alors je suis coincé, je peux pas avancer. On va aller se balader un peu ailleurs, un petit coup. On va aller voir de l'autre côté. Si je me rappelle de l'endroit. Alors, il y a un couloir et puis moi j'avais dit d'aller... Enfin j'avais dit. Un couloir très sombre. Au final on va revenir au même endroit, c'est ça? Pour l'instant, le début était très flippant, mais là, j'aime bien ça, parce que l'Oculus Rift, tu peux pencher la tête. Ça penche... Oh, putain. Et... Ah non, je préférais quand t'étais derrière moi, en fait. Oh, putain, tais-toi. Tais-toi, je vois plus rien. C'est normal. Ouais bah en fait je suis mort direct en fait. Ok. En fait il m'a spawné devant et fallait s'enfuir en fait. Mais j'ai rien à jouer, y a rien. Et j'ai pas envie de recommencer le jeu. Bon. Bon bah, c'était très court hein, mais bon, très flippant. Ouais, bon. On regarde ce que ça fait si on appuie sur Space. Ouais, on recommence depuis tout le début quoi. Ouais, là je peux carrément faire un tour. Hop. Oh, ouais. Ouais. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé. La caméra doit être par là. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas du tout de quoi j'ai l'air avec le casque plus l'Oculus Rift. Bon, c'est pas grave, je m'en fous. J'espère que le son, ça va aller, tout ça, etc. Bon, bref, merci d'avoir regardé. D'ailleurs, faut que je finisse Outlast aussi. Mais bon, j'ai plus trop le temps.
je m'en excuse. Je regarderai d'autres jeux comme ça, mais voir s'il n'y a pas d'autres jeux dans ce genre. C'est un studio français en plus, donc ça c'est vachement bien. Et oui, ce que je disais au début, la voix, ça serait peut-être pour ceux qui connaissent dans No Life, le merde, j'ai oublié l'émission. Enfin, bref, un animateur de No Life, de la chaîne No Life. Donc, j'arrête de parler. Je suis un peu encore sous le choc. Merci d'avoir regardé pour la dernière fois et à la prochaine. Regardez deux secondes, on va le faire.